accusation pesait sur Dolly pour passivité, si vous voulez. Dans le moment, le président a relé pour demander secours. Et c'est lui-même qui était directeur général dans le moment. Selon le document, pas de réaction de la part du directeur général. Monsieur Charles, qui était occupé poste de représentant permanent d'Haïti à l'OEA, donc il démissionné hier, il remet ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti en lettre. Hier, il y a une façon pour le capable de défendre, parce qu'il estimait que dans le document, ça, dans l'ordonnance, il y a calomnié injustement, pour me reprendre propre parole libre, c'est ça, moi, je lis dans la lettre de démission. Alors, qui est Léon Charlier? C'est l'ancien commandant garde-côte pays d'Haïti qui t'a parlé sous gouvernement Gérard Latortue, vin directeur général police nationale. Il t'a parlé remplacé par Mario Andrisol et à ce moment-là, lui-même, il t'a parlé affecté dans l'ambassade d'Haïti à Washington. Il t'a parlé désigné tout comme représentant Haïti dans l'OEA, toujours dans Washington, avant que le président Jovenel Moïse t'ait fait appel à lui. Pour une balle en coup de main en remplacement de Normile Rameau, qui lui-même t'a dirigé institution policière. Léon Charles, en tant que commandant en chef de la police, le 6-7 juillet, c'est le SAIO assassiné, président Jovenel Moïse, gens tout haïtien et gens le monde entier connaît. Alors, comme nous connaît, yon chef la police li gagné pour mission protéger vie et bien tout le monde, en particulier vie et bien du président de la République. Monsieur Charles avec nous matin. Nous sommes bien contents que l'accepter répondre à l'invitation Métropole pour aider en quelque sorte la République. Bon idée de saleté fait lui-même pour le président Pat Mouri dans le moment où tu as attaqué lui. Et comment ça t'est passé tout lui-même? Monsieur Charles, bonjour, merci au nom de la République. Du fait qu'on a accepté avec nos matins dans la métropole pour répondre à questions que un peu le monde après-midi lumière faite sur vous. Bonjour encore une fois et bienvenue. Bonjour, bonjour Wendell et bonjour téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Ça le Point. Et moi merci que pour bonne opportunité pour me capable de faire une version des faits et qui étaient entourés d'assassinats. Président Noël Jovenel Moïse, et pour me capable de retenir l'ordonnance dans le point que le juge là est basé pour le dire m'impliquer et le traiter de complice dans l'assassinat crapuleux ça. Tout d'abord, je vais me présenter Wall au directeur général. Il est connu de tous. Directeur général là, il commande la police là, avec tout ça le représenter. Mais le directeur général n'a pas accès direct, il ne commande pas directement les unités de sécurité du Palais National. Unité SAEO, c'est l'USGPN, qui a assuré troisième périmètre de sécurité, ça veut dire externe. Deuxième nom, c'est CATSIM, qui a assuré deuxième nom. Et dans deux présidents, dans chaque président, quel que soit côté président, une équipe proche, c'est USP, ça veut dire l'équipe. Et en version. Donc, je fais précision ça. L'INA, loi portant et création de la police nationale de 1994, et même moi arrêté, l'arrêté du 1er février 2016, et promulgué par l'administration Martelly Paul, qui dit qu'il y a des particularités que l'Union de ça a gagné, parce qu'il a gagné. Il relevait de la police, certes, mais il y a une certaine autonomie en matière de gestion COA. Et la police, l'inspection générale, responsable de discipline en tant que COA, mais accès à un déplacement président. Quel que soit côté président, trois unités,
dans le niveau 3e, 2e, 1er périmètre, c'est Yopoula. À la rigueur, sur demande, on va jouer au 4e périmètre de sécurité qui est fait par la police dans la zone de côté policier ailleurs. Ou bien sur demande spéciale, on va jouer l'autre unité spécialisée qui vient renforcer le 4e périmètre de sécurité. Donc là où dit-on que monsieur n'est pas capable de passer au l'ordre. En matière de déplacement, président, non. Parce que le président a une certaine sensibilité, une certaine discrétion que le président a gagné dans la gestion du monde qui est autour de lui. Cependant, dans l'autre question qui est sur discipline, l'autre question qui est à faire pour transférer, même on n'est pas capable de transférer un policier USGPN comme ça, sans que je pas gérer, à moins que son cas qui grave son crime, que nous allons remettre à la justice. Donc, je n'ai pas gagné un commandement direct sous unité qui a assuré la sécurité du président. OK. Donc, ça veut dire que le président a gagné quelques petits détails que le pat connaît tout parce qu'il a dit que le président Réléo, dans un moment, il a senti en détresse. Oui ou non, le pat Réléo vraiment? Le président Réléo, moi, bon fonti, jour 6 juillet, je le président, me dit, président, je monte en opération. Besoin de parce que nous avons une fixation vite l'homme, nous avons fait plusieurs opérations de vite l'homme, gagné, nous raté, nous saisi matériel. Finalement, je dis le 6, je focus sur vite l'homme. Mais il faut le président, je dis président, besoin de pelle mécanique, besoin de matériel. Si quelque chose n'a pas créé l'espace que vite l'homme gagné sous ton celle-là. Effectivement, l'opération a commencé depuis 10 heures du matin. Pas de cage matériel, président, même jour, fais-moi faire contact avec CNE pour me jouer une pelle mécanique. L'un qui fait opération pour nous craser l'espace. Parce que nous ne pouvons pas de blé, bandit avec toute l'altitude. Ça. À 3h après-midi, nous jouons le matériel. Là, et le matériel a commencé, pelle mécanique. Il a commencé le travail jusqu'à 11h30, nous finissons craser l'espace en partie. Et puis j'ai appelé le président à 11h30 PM. Monsieur le président, nous faisons opération cavité l'homme, nous pas jeûner, nous saisissons de ton bagaille, nous craser Kaya. Alors, président dit, OK, bon bagaille, 11h30 PM. Alors, tout commandement est réuni dans la direction générale. Quand je parle du commandement, je parle de l'inspecteur général en chef de la police nationale, du directeur central de la police administrative, du directeur central de la police judiciaire et l'autre commandement, parce que l'on a fait opération d'envergure, tout le monde réuni. Et puis, l'opération est finie, tout le monde supposé rentrer dans la base pour nous faire un débriefing, nous ça passé, pour nous faire un bilan de l'opération. Nous étions dans la salle de conférence de direction générale. Aux environs de 1h15, aux environs, parce que je n'ai pas de téléphone dans le même samedi devant le juge, 1h15, 1h30, le président m'appelle. Il dit, DG, moi, je suis en pile et rafale dans la zone là, quand même. Et moi, j'ai besoin de backup. Je dis, président, qui sont fait? Qui est sur relais? Le président dit, moi, relais, la guerre civile, qui était coordonnateur de l'unité et sécurité par les nationales, je ne suis pas jeune. Relais Dimitri Erard, qui est responsable de l'URGPN, l'unité de sécurité par les nationales, je ne suis pas jeune. Je dis, président, je suis venu. Entre temps, imaginez, entre 1h30, 1h35, quelque chose de terrain, tout le monde. Je suis dans la base avec tout commandant, c'est vrai, mais pour mobiliser les policiers qui étaient campés dans la machine et pour régler l'autre troupe, mobiliser des DDO et soit team, libre mon titre pour me faire ça. Entre temps, par raison qui t'a dirigé, l'inspecteur général par raison, membre de mon cabinet qui t'a dirigé l'opération Torcellan, rentrer dans la base. Alors, on était en distance devant le directeur général, lui-même était non, côté de l'espace plus grand. Déplacer ma jeune par l'heure. Mais entre-temps, avant ma jeune par raison, moi, j'ai le président une deuxième fois. Pas jeune président. Abdou, l'espace 5-10 minutes en deux, premier appel. Et puis, il me dit par raison, moi, je reçois un appel président, j'aimerais le pas jeune, aller, puisque vous-même, par exemple, dit, président, il aime tout. Mais je suis rentré dans la base pour une machine blindée. Je me dis, par exemple, dégagez-vous, allez rapide. Parce que, par exemple, son homme de confiance est très opérationnel, très dynamique. Je me dis, par exemple, montez. Par exemple, virer machine, il allait avec l'équipe. Une seule machine.
Parce que, et puis entre-temps, moi-même, ma mobilisé équipe, moi, backup PAM, backup DCPJ, backup DCPA, l'autre backup qui était disponible, pendant que les DDO, m'appelé les SWAT, pour nous déplacer. Et je me suis déplacé avec mon cortège du haut commandement. Je fais route pour me faire. Et puis, le, entre-temps, pendant que je passé sur l'aéroport, Delma 31, et puis pendant que je suis dans la zone devant, par exemple, il dit, DG, moi, je vais vous pèlerin. Dans zone ça, il y a des gens qui braquent sur moi. Moi, il y a des policiers ULGPN. Le responsable de l'ULGPN dit, commandant, vous n'avez pas besoin d'avancer parce que c'est Zier qui a opéré. Moi, je dis, par exemple, soit, dit là. Moi, je dis au président menacé de Grélem, il est longtemps, qui a fait de Zier? Ben, dit, si Zier a fait opération à le ça, moi, je connais. Je dis, dégagez-vous. Monter, entre-temps, m'a progressé. L'homme rivé, on t'y casse, puis devant, le ça m'a mis dans son route, frère, m'a monté. Par exemple, l'élément encore. Par exemple, dit, commandant, pour un jeune, je rivé, me déplacer, je suis dans une zone, basse pas d'air, même ouais, bon dieu, même ouais, des mouns, cap descendre, moi, deux cap descendre, pour y aller à Pétionville. Entre-temps, je suis arrivé à Pétionville. Donc, m'a fait barrage. Et puis le paraison arrivé, troisième appel paraison, quatrième appel, je dirais. Paraison est DG. Moi, arrivé avec le président, nous perdons le président. Président mourut. Je dis, paraison, c'est vrai, moi, je vérifie. Je dis, côté première dame, non. Première dame, non, blessé. Il n'est pas bon. Je dis, passez une première dame, non. Je dis, première, nous regrettons ça qui vient. N'a pas de disposition par raison pour mener un côté pour aller prendre soin. Parce que le bébé, c'est pas qu'on a pleuré, c'est ça. Je dis par raison, sans pas mener côté le bralé, à sa discrétion, par raison, organiser côté ça pour descendre avec, pour aller prendre le premier soin. Parce que il a blessé grave. Entre temps, l'essentiel, puisque j'ai eu l'information, je réunis tout le monde, tout le commandement de ça, soit qui est arrivé avec un blindé, moi, j'ai rentré et mobilisé toute police qui était dans le commissariat à Pétionville, tout renfort qui était à venir. Mais il faut dire, entre temps, pendant que je suis sur route là, après le deuxième appel, président, je suis la gueule. Je ne pas jeune la gueule. Alors, le coordonnateur. Je suis Dimitri. Je ne suis pas jeune Dimitri. Et puis, je me dis, monsieur, c'est pendant que je suis sur espace là, je dis, monsieur, n'a pas barré. Alors, maintenant, je suis barré pour Bokinam, non? Et puis, l'autre côté était de l'eau. Tout côté n'est côté qu'à descendre parce que l'essentiel qu'on a, c'est Kembe Negio. Entre temps, pendant Chita, pendant que nous campions sur place Saint-Pierre là, nous avons fait barrage là. Monsieur, yo, le, pour tout les aspects question, hein, bien important, moi, le chef des opérations de l'UIGPN, pour ton téléphone, pour moi, il dit DG, monsieur, vous voulez parler avec vous parce que bien. Il y a deux policiers nommés. Je dis, qui monsieur? Je dis, monsieur, ça qui est important pour nous, c'est faire barrage là. Bon, si vous ne pas quitter la zone, je ne vais pas parler avec l'autre monde. Quelques minutes après, Dimitri Erard, le commissaire municipal, Dimitri Erard, pour ton téléphone, un petit téléphone petit, songez, un petit téléphone, et de me peser, je dis là, je ne vais pas là. Il dit, DG, besoin, il y a deux policiers qui nommés Negio, monsieur, besoin de parler avec moi. Je dis, commandant, faire sport. M'a géré en situation, m'a pas la bandit tout autant que m'a pas passé là. Monsieur va passer là. Monsieur insisté, m'a pas occupé. Entre temps, puisque t'es une information que le commissaire de l'UIGPN, Dimitri Erard, dit pas raison que c'est dit pas avancé, on commence à gagner doute. Et puis le Dimitri, et puis me faire retrait en deux places, Saint-Pierre là. Et puis, je dis, monsieur, renforcez barrage. Entre-temps, monsieur Assayon, rivé, puis au Kinam. Il y a un camion pompier qui a monté, mais par contre, c'est la mairie. Et puis, les gars ont monté Kinam, il y a un espace là, il y a un barrage là. Et puis, sous le microphone, il y a un qui dit, dis, fais back. Et puis, je dis, monsieur, pas qu'il y a un cap déplacé. Nous campons. Et puis, il y a remonté. Et c'est là, entre-temps, que nous recevons un appel, Premier ministre, pour un CSPN en urgence,
Je remets le CP à charge et puis je descends dans le CSPN. Donc, pour me conclure à ce ça, en tant que directeur général, le fait que le président a assassiné sous moi son dossier m'a toujours des questions pour me répondre là-dedans parce que le fait sous commandement, je suis responsable de PAM. Mais de là à dire que je suis pourrianiste, que je suis nonchalant, pas de fanier, là, m'estimer que c'est mensonge lié. Parce que par raison, même si par raison tu as dit, et pas qu'à dire, que je n'ai pas de bonne instruction, par raison est membre de mon cabinet particulier. Par raison a été en mission, et c'est bon. Ce n'est pas le téléphone, non, je n'ai pas l'instruction. On s'est rencontré sur la cour de la direction générale. Donc, c'est un membre de cabinet qui m'a instruction qui pourra secourir le président pendant que je m'ai mobilisé à 1h du matin, entre 1h et 2h, pour mobiliser tout le monde. Il m'a dit, il m'a dit ça pour tout le monde. Je fais tout ça capable. OK. On fait camper là et DG, on fait camper là ambassadeur. Et lorsque Dimitri Erard dit que c'est DIA qui a opéré. D'ailleurs, il y a des enregistrements qui étaient publics côté que bon monde qui a dit son opération DIA. Est-ce que, dans toutes sortes d'affaires, est-ce que tu es l'ambassade américaine pour demander est-ce qu'il est au courant que dit la CAI président? Non. D'ailleurs, ce n'est pas moi-même, pour me rectifier ça, ce n'est pas moi-même, Dimitri Erard, qui dit que c'est dit. Premier contact là, c'est avec Parison. OK. Les Parison mettent au courant, est-ce qu'on parle de l'ambassade là pour demander est-ce que dit est sur place, est-ce que dit est une opération qu'elle a menée? Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Et même si c'est dit, là, ça a mon phase parce que c'est on attaque le président, parler les personnes. On décision comme tu prends, automatiquement, je finis recevoir appel président. Il y a tout le commandement, je me dis, je ne vais pas répondre au téléphone, personne. Et c'est ce que j'ai fait. Commandement, je vais parler seul avec le premier ministre pour me dire qu'il faire coordination avec elle. Laisse à qui le TI est comme ça, leur parle à le premier ministre là. Bon, on parle à le premier ministre, l'homme qui était direction générale là. De direction générale avec Vimutiel, bon, 20 minutes, mais li, avant 2h, 1h45, même pas gagné, mais c'est avant que je me rive à Pétionville, et sous place Saint-Pierre. OK. DG, vous dites donc qu'à un moment donné, vous sortez sur l'aéroport, passez par Delma 31, mais pendant que vous expliquez maintenant là, vous dites que vous êtes sur route de frères. Nous, avec un petit peu. Comme si je ne comprenais pas le trajet. Est-ce que c'est moi-même qui ne comprends pas ou bien est-ce que c'est un erreur faire une explication pour Banoua? Non, je ne sais pas quelle erreur. Écoutez, président Relim. Vous dites Delma 31. Vous dites Delma 31, après ça, vous dites votre frère. Oui, bifurqué. Parce que ça a passé. Je suis directeur général, président Relim, il est sous menace. Il a tiré la caille. Moi, il n'est pas jeune. Donc, il faut m'abifuguer. Ça veut dire, je ne peux pas faire une route habituelle. OK? Il faut faire une route pour m'assurer que j'ai avance. Et puis, je m'abifuguer parce que la route normale, c'était. Après, je suis monté pour la route aéroport, monter Delma, arriver à Pétionville. Mais, je ne sais pas ce qui a passé. Quand j'ai attaqué le président, j'ai président de l'autre côté. Il y a l'autre côté qui n'est pas bloqué. Donc, je n'ai pas besoin de faire une confrontation pendant ma montée avec le président. Donc, moi, j'ai une comparaison déjà. Qui là, pas oublié. Bon, je vais faire une rectification. Il vient de démontrer que pas de résistance. Le président a gagné. Les unités de sécurité du palais national, c'est au responsable d'assurer la sécurité du président pendant quel que soit côté lié. La capitale, il n'a pas l'air dans le déplacement et dans la province. Donc, le président a gagné unité sécurité. Il a réuni à peu près 1,7 million de monde de Gadi pendant que je suis là. Je ne sais pas à quel que soit l'heure du jour ou de la nuit, pour le président, il y a un minimum 40 à 50 cap sécurisés. Périmètre de sécurité, si on parle de pèlerins,
OK, devant le président dans la rue, hein? Troisième nom. Deuxième nom, devant barrière, troisième, ou bien dans barrière. Premier en dans Kaila, ou bien devant Kaila dans le salon. Donc ça veut dire, quel que soit le tir qui vient dans la zone, dans la tête, moi, en tant que directeur général, moi, j'ai un minimum, l'homme dit, ou bien 4 teams qui sont unités spécialisées, counter en bouche, contre embuscade. Spécialisé, il y en a une unité qui est plus entraînée dans la police. Ou bien USGPN qui sont l'autre unité spécialisée. Ok, monsieur Charles, dis-nous, lorsque vous apprenez que c'est la DIA qui a mené une opération, DIA, ok, bon, nous connaissons que Haïti a des accords qui signent avec les États-Unis qui peut-être autorisé que vous menez des opérations, mais lorsque vous dites que c'est dit la caille au président de la République. Un, tu as vraiment connu qui ça t'es dit où? Est-ce que deux, où t'es trouvé les normal? Trois, est-ce que dans ta tête où t'es pensé c'est président qui t'a fait l'objet d'opération ça ou bien est-ce que c'est l'autre monde que dit tu as cherché la caille président? Dis-nous. Non, on va faire considération ça du tout. Parce que président Elim, DIA sont l'autre entité capteur. Si DIA a monté opération comme ça, DIA dans la question de l'illégalité. Moi-même, pas même besoin de connaître si c'est DIA ou pas. Okay? Parce que si la fait me connaître, ça fait 10 moi, 10 par exemple, qui a fait DIA ou Abdim là? Si c'est une opération régulière dans la zone là, même pas 10 par exemple, quelle que soit l'opération régulière DIA fait, je suis au courant. À moins que je ne connaisse pas, je suis au courant. Donc, le commandant responsable de la sécurité du président dit c'est dit moi même pas prendre en compte déjà ouais une complicité commandant comment faut faire comme ça c'est où pour prendre balle au président comment faire dit c'est dit donc moi pas le président pas l'ambassade mais est-ce que le patate mieux est-ce que le patate mieux DG que dans un moment où dit que quelle que soit opération cap mené dans l'environnement immédiat, résidence président, que le campé, ça va de continuer, pas de guerre opération, ou pas de dire ça? Non, par raison, ça avait par raison à parler. Moi, je dis par raison, je ne suis pas d'accord avec la question, je dis dégagez-vous ou montez en l'air. Ok. Dégagez-vous ou président. Ok. Mais juge Langel a dit que par raison, dit pas de guerre concernant, dans l'ordonnance, juge Langel fait état de. Par raison, tu as dit que le pas recevoir instruction de ce genre, non, mais monsieur Charles. Moi-même, c'est le problème ça m'y a avec l'enquête là. Moi-même, c'était une enquête vraiment. Parce que moi, à devant juge là, 4 fois, juge qui a mené l'enquête là. Moi, c'était en première fois, en deuxième fois, de l'autre fois, moi, fait confrontation avec Dimitri Herrera la gueule. Moi, je vais vers son pas. Si dans le moment ça, le juge là, estime qu'il y a un statut de témoin, s'il a changé les informations additionnelles, le juge l'a gagné pour devoir. Je vais dire ça pour le faire. Pour le faire pour votation. Parce que moi, j'ai une déclaration à 2 reprises. Okay, devant le juge là, il a dit 4 reprises plus première comparution de fait, invitation de fait devant le juge Gary Olien. Je n'ai pas jamais couru pour être là. Donc, au moins qui volontairement, même je me présenté, parce que moi dit, Léon Charles Mbaka courir pour enquête sur le président Jovenel Moïse. Il fait sous moi, moi j'ai une responsabilité, mais enquête va le définir dans quel niveau de responsabilité que j'ai. Mais le juge là dit, par raison, et moi, par raison, pas dit ça. Son interprétation liée, et même si tu par raison, tu as dit ça, par raison est un inspecteur général affecté à mon cabinet. Et c'est une équipe dynamique que, qui est dans toute opération. Il n'y a pas qu'à dire ça. Et si, par exemple, tu as dit, bah, c'est pas moi qui voyais. Par exemple, tu es sorti torsel. Par exemple, tu as sorti 2 torsels du monté, tu as tourné un peu tabac, ou bien éclaircine. Donc, il faut que le juge établi, fait ça, garder le rapport téléphonique, garder, faire confrontation. Moi, pas faire confrontation. Alors, bien entendu, jusqu'au dernier. Dernière présentation que je fais devant le juge là, et tout va être correct. Je retourne en tant que témoin et je me retiens à la disposition. Vu mon changement, notre traitement VIP,
Parce que moi, pas jamais demandé autorisation pour me tourner parce que je connaissais obligation pour moi aller devant le juge là pour m'aider en tête l'avancée. Alors, moi, j'ai une liste d'une cinquantaine de questions pour me poser. Mais avant ça, et puisque non cité à plusieurs reprises, j'ai Vladimir par exemple avec moi là, directeur général, qui t'a remis pour dire quelques précisions par rapport à ça que dit dans l'émission là. Excusez-moi, Wendel, son enquête, je ne vais pas faire enquête là pour le juge là. Je ne vais pas faire enquête là pour le juge là, enquête là, arrivé dans le niveau A, il y a une déclaration, on a pris une déclaration. Donc, si on a fait l'autre invitation pour parler, je ne vais pas faire là. Parce que là, donc, on va aller à contact là. On va aller à contact là par réseau et être un inspecteur général. Ok, ok. Sauf que c'est une précision, c'est une précision que tu voulais porter tout simplement par rapport à. Il a fait après, parce que j'ai été sous concentration, parce que j'ai l'âme de ça, c'est pour faire. Il n'est pas tellement correct. Mais, s'il vous plaît. Parce que des déformations qui sont là, qui sont bien. Ok. Le général a dit, directeur général de la police, là, pas grand monde qui a fait une mission personnelle. Sous l'ordre du directeur général. Ok, bon. Okay. Mais d'accord que le Pavlé, il dit non. Non, c'est tout droit réservé. Mais moi, je m'a dit parce que j'en ai reparti bagala, c'est comme si il y a deux directions générales, moi-même, moi, ton directeur général ou pas. Non. J'ai été instruit par mon chef, d'alors, pour me dire en mission, et toute réaction gagne, c'est directeur général là qui me gagne. Bon, eh bien, merci. À la fin de la journée, même pour monter comme président, c'est directeur général là qui me gagne. Moins bon l'autre, même si vous êtes fatigué, arrangez-vous. Bon, ok, on faut camper là. Parce qu'on connaît que moi j'ai un respect pour lui tout, et c'est moi qui invite lui. Lui dit le passe. On va informer ça. Eh bon, et bien d'accord. Mais sauf que Mbao et Odiba qui t'a capable de déranger l'émission, sinon qu'on précise qu'on t'a baillé. Timo, est-ce que d'accord que je continue à parler avec vous? DG Charles, ça dérange vous que tu précises ça? Parce que Mbao et Odiba, tu es capable de déstabiliser ou de déranger, non, ça va dire. Oui, Wendel, on va d'accord. On fait mon énoine, non? Et bien, ils ont qu'à faire dans l'autre moment. Ok, d'accord. Pas de problème. Et commandant Parizon. C'est correct. Ok, d'accord. Pas de souci. Je suis capable de faire une possibilité pour parler bientôt. Puisque ce n'est pas un bail personnel qui a réglé. C'est l'affaire d'un président qui a été assassiné. Je connais. Eh bien, d'accord. Parfait. Merci Vladimir Parizon. Ok. Oui. Monsieur Charles n'a pas avancé. Te pose une question tout à l'heure sur l'ambassade. Vous n'avez pas appelé l'ambassade américaine. C'est pas de préoccupation en un moment pour qu'on ait. Est-ce que c'est DIE qui a opéré ou bien est-ce que c'est pas DIE qui a opéré? Est-ce que c'est des mondes qui utilisent non? Bon, bien que, il y a des gens qui ont condamné, le fameux Vincent, il y a des informations qui font quoi que c'est un informateur DIE qu'il y a. Est-ce qu'on est au courant de donner ça? Bon, fait, la première phase là, à chaud, le. Par exemple, moi, privé devant le commissaire Petionville, place Saint-Pierre. Et l'information dit hier, moi, je ça va m'intéresser, mais c'est privé qu'un président. Mais par la suite, parce que l'un qui nous contrôlait, parce que inquiétude pas, en tant que directeur général, président Mouri, n'a pris disposition, puisque à Saint-Yen, on était dans la zone, n'a pris disposition pour nous, pour ne pas être sauvé, et puis pour nous prendre en vie. Parce que premièrement, on a tellement des suspicions que comment font chef de sécurité un président, les dit c'est l'autre monde, et puis ou pas. Excusez-moi. Monsieur, ce n'est pas la raison qui arrive avant. Moi-même, en tant que directeur général, si le président il aime, on va traverser barrière, bah, lorsque monsieur chef de bureau, il ne peut pas quitter le passé, plutôt ne pas refaire. Il n'y a pas accès.
Donc, comment on fait? Président, on le point comment on fait? Moi, elle est la gueule, finalement, pas jeune, mais pendant ma pontée, la gueule, elle me dit, comment ça passe? Qu'est-ce que, commandant, nous avons un problème, ils ont attaqué le président, nous n'avons pas résisté. Et puis, ils ont ouf, parce que si il y a résistance, je vais être élevé. Mais enquête a montré, l'information a été montrée, le coordonnateur n'était même pas sur place. Monsieur Charles, est-ce que pendant, parlez-moi de système de renseignement, la police là. Comment ça t'est? Nous pas un système de renseignement qui était fonctionnel. Un. Deuxièmement, est-ce que pas aucune fuite, aucune rumeur qui t'est arrivée dans les oreilles? Parce que il y a des informations qui ont circulé qui fait quoi que il y a des éléments. En fait, mettons de côté moun qui était impliqué directement dans l'assassinat président, mais tu as des fuites, tu as des rumeurs que le président n'a pas l'assassiné. Nouvelle, ça n'a pas arrivé dans les oreilles ou même? Bon, pour répondre à une question, ça, je vais faire un package. Là. Et je dis ça pour l'histoire et la vérité. L'assassinat du président, il a commencé dans l'enquête sur le massacre qui fait la Saline. Deux ans. Parce que le mandat qui était émis, un mandat illégal qui était émis par et un juge qui parle même ce dossier, qui mandait pour arrêter le président. Mandat ça, non juge là dans l'enquête là. Et moi-même, en tant que directeur général, l'homme rentre, le président relève. Il dit, Léonville, bon, on va contre 509, parce que 509, en pile des zones. Contre gang, et puis mes sécurités dans le pays. On commence à faire travailler 509 là. Et puis, quand il y a attaqué gang. En novembre, moi, il vient en novembre 2020, le 16-19, mais ça j'ai reçu un appel, parce qu'on m'a expliqué ça pour Capdou, et qui est information, un appel de maître Mario Beauvoir, que j'ai rencontré aux États-Unis, ou de Palavel pour le dossier. Il dit, j'ai besoin de Palavel. Je ne vais pas occuper maître là. Finalement, je me dis, qu'est-ce qui ça? Il y a intérêt les mots ça. Marie Beauvoir, il m'a invité un petit bois. En tant que directeur général, je parle pour que tout le côté joint. Mal si bois, moi ça gagne. Et puis, mon installation, il dit ah, mon cher, Américain, mais où est-ce que le premier ministre? Il dit oh, premier ministre. Comment faire le président? Mon cher, fais-le, parce que le premier ministre, le président invité, le président mette là, je vais pas le président, fais-le sport. Mal si bois, moi, ouais, mon yo. Et puis, le premier bain fait, il est président. Mal coup le président. Qui m'a noué, DG? Qui m'a noué? Ou dit, ouais, mon yo? Moi, ouais, alors, je ne sais pas. Moi, ouais, et comment il s'appelle? Mario Beauvoir, que je ne vais pas rencontrer. Moi, Mario Beauvoir, dans un local, Tiboyo. Parce que, comme dit là, parce que, écoutez, local Tiboyo, moi, ouais, un ancien sénateur, sénateur la Tibonite, sénateur Bergom, derrière la caméra. Mais la police ou la vérité, je dois dire ce que j'ai vu. Et puis moi, je suis sorti, mal contre le président, puisque je parlé de Whitman, mal contre le président, je dis président, mais ça me connaît. Je ne vais pas parler de sa présidente, parce que le président, malheureusement, assassiné. Moi, je dis ça dans le commandement, parce que j'ai été contacté l'autre pour le commandement. Je dis, monsieur, comment ça passe? Fais attention. Donc, bon, bah, il a dit là, 7 février, arrestation, je dis qu'on a mal ça. Inspecteur général Gauthier, qui est rentré dans l'ASS, c'est parce que le patron commandement, il est l'inspection générale. Parce que je me débat en préavis dans le commandement. Donc, information était là, 7 février, par la fête, le président Rélim, nous faisons ça pour nous faire, mais Mounio vient nous lâcher. Pas de attention sous lui. Kounien, tu as un rumeur, c'est vrai. Mais dernière information, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de gain. Mon système d'intelligence n'est pas parfait, il n'est pas étanche, il n'y a pas de capacité. Mais il est arrivé infiltré, sécurité rapprochée président. Lorsque Maître l'a te proposé pour que la vienne premier ministre, quoi vienne ministre ou bien premier ministre, est-ce que. On va pas arrêter le moment parce que quand même c'était tout dit tout du coup que pour le soit un assassinat ou bien un coup d'état. Non mais même ça me fait
m'informer le président et le président dit au courant. Ok? Je vais informer l'instance internationale, l'ambassade américaine, l'ambassadrice. Et si son, comme dit, dans des mots pour parole, qui a parlé de bagarre, il dit non, don't worry about it. Donc ça veut dire, nous ne voulons pas mettre focus sur ça. Non, en fait, c'est comme ça. Don't worry about it. Ça veut dire que tout le bagarre est sous contrôle. It's not, you know, bon sujet. Don't worry about it. Il n'y a pas quoi là dans lui-même. Ok. Oui, mais. Pour prendre le poisson. Pour prendre le poisson. Et puis, il dit, pas occupé, pas inquiété. Et puis, continue le business, la police, parce que dernière bataille. Bon, écoutez, pas compliqué ça. Mais c'est pour répondre à la question. Ok. Là, on parle de Whitman, on fait allusion à Daniel Whitman. Oui, qui était dans le dossier, il est connu, Daniel Whitman, qui t'a dit. Et parce que. Qui t'a dit. C'est un complot, il faut le dire, c'est un complot. Mais, il vient d'aboutir, 7 février, nous-mêmes, moi-même, moi, opération a été faite en dedans et Tibois pour nous capables pour arrêter mon gens qui était arrêté parce que j'ai passé là c'est la justice qui traitait j'ai traité là mais pour continuer même mandat ça il vient nous reparaître l'assassinat président donc ça veut dire complot là, je parle de Lassaline Mario Beauvoir avocat et RNDDH Pierre Espérance m'a fait un point sur l'île d'Alain. Et mandat illégal parce que le juge là pas sous dossier. Donc ou associer assassinat président à deux bagailles. Massacre à la Saline il y a 2 ans et l'opération avortée du 7 février 2021. Continuité. C'est continuité. Ok. On va prendre un petit pause, déjà le temps pour respirer, pour boire un petit de l'eau, puis naptoner. Mais il y a deux points. Point Badjo a pris Pierre Espérance, là, pour boire un petit temps pour vous. Ok, ou dit Badjo, ou dit Pierre Espérance. Ok, d'accord. Naptoner après pause. C'est l'ordonnance, ça. Ordonnance, en effet. Merci encore une fois pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, ancien représentant d'Haïti à l'OEA. Et Léon Charles, dont le nom figure dans l'ordonnance du juge Wester-Voltaire, qui enquêtait sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, c'est notre invité, Léon Charles, c'est notre invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, une émission suivie par des amis de la diaspora, par enfin, le pays tout entier apparemment, et des salutations aux internautes de Réseau La Tibonite, aux amis de Radio Télé Jacques Mélinter, Radio Tête à Tête dans l'Artibonite, qui relaie cette émission que vous pouvez suivre sur YouTube également et sur Facebook. Oui, alors, on compte encore ou toujours disponible, Monsieur Charles, pour suite émission. Ou dis-nous que gagner des apparemment, si bien comprendre, intérêt qui poussait ou évoquer non Pierre Espérance et Joseph Badjo, c'est que Mounsao a fait des révélations qui apparemment dérangent. Qui s'est menti, qui parle la vérité, et juge la cité. Premièrement, m'a excusé et télé-extratrice, mon capteur gardé ça, que si je me monter parce que son mari qui m'a vu chaque jour. Donc, je relax, mon petit de l'eau. Donc, excusez-moi si je me suis monté le temps. Oui, Pierre Espérance Badjo. Je fais précision ça parce que je n'ai pas de cas à parler parce que je suis diplomate, j'ai des obligations de réserve. Quand je n'ai pas de parler, je vais parler pour me dénoncer, je vais parler pour me dire vérité parce que je vais mettre le dossier à sous dos alors que tout le monde connaît. Je vais dire tout le monde. Juge la connaît. Côté, l'homme président sorti. Parce qu'il y a tellement d'informations que l'État supposé. Parce que ça veut dire pas d'enquête. Pas d'enquête.
Parce que qui s'allie? Pour le crime qui fait, un président assassiné, monsieur n'a pas traité le conseil à la légèreté. Ou dis-moi, m'impliquer. Parce que Badjo dit, Pierre Espérance dit, Pierre Espérance, son menteur professionnel, tout le monde connaît en Haïti. Comment faire prendre parole Pierre Espérance? Pierre Espérance impliqué dans l'assassinat président, jusqu'au coup, c'est l'initiel, avec mandat. Bon, faut descendre. Avec mandat, juge Noël Sylvester. Et les faits sont là. Kounien Badjo. Quels sont ces faits? Non, pour Pierre Espérance, quels sont ces faits? Les faits, Pierre Espérance fait juge Noël Sius et met ton président comme président de la République en fonction. Il passe la société à partir rien. Oui, mais est-ce que le gain de droit ça? Tout le monde connaît que Pierre Espérance est un défenseur de monde, l'a dirigé une organisation, sous qui base du café, il met un mandat pour arrêter. Ah, mais ce Mario Beauvoir, c'est l'avocat du NDDH. Même mandat ça a été présenté dans l'ambassade américaine à un moment, Mario Beauvoir a présenté. Ok, ils ont utilisé pour assassiner le caractère président. Ok, et tout ça que tu as fait contre le président. Mais bon, retourner sur la question pour le dire, avant de tourner sur l'espérance, je vais quitter le dernier. Badjo, oui, nous connaissons Badjo. Après, en 2010-2011, au ministère de la Justice, nous sommes toujours apporté des intimités dans le cabinet ministre de la Justice, Paul Denis. Nous travaillons avec Badjo pendant un petit temps. Mais Badjo, c'est Badjo, même si c'est Léon Charles. Je suis retourné aux États-Unis, je suis retourné en Haïti à plusieurs reprises. Depuis 2012, je n'ai pas jamais contact avec Badjo. Il me dit devant le juge. Et la nuit, durant la première passation du président, relevé téléphonique dit que Badjo me dit cette fois. Je ne pas répondre. OK? Donc, si vous avez fait ça, vous n'avez pas parlé, monsieur, et puis vous avez cité que le dit là le code, donc une question de crédibilité. Au moins, si vous avez dit ça, vous avez pris les moyens, bon, accès pour me défendre tel point, ou bien mettez preuve que dans 10 dernières années. Non, un moment, qui est-ce qui dit que Badjorello 10 à 12 fois? Dans l'enquête là, bon rapport pour faire, monsieur est bien, moyen. Ou le téléphonique digicel, il y a 17 appels qui fait. Il y a un appel que je fais à président, il y a tout appel, il y a là, et la technologie. Non, mais, en quel cas, il appel Badjo, Badjo Terrello vraiment ou le Patrello? Je ne sais pas, bon, Badjo, si on dit Badjo, je ne sais pas, il y a l'autre monde qui est là, il y a un ancien téléphone que je tenais, l'homme d'affaires étrangère. 48, 88, 98, 98, que je ne peux pas utiliser. Peut-être qu'il y a un sur le téléphone, mais pour qui ça y a pris l'homme? Donc, révélation, ça c'est qu'est-ce qu'il fait? C'est Pierre Espérance qui fait, qui dit Badjorello plusieurs fois? Oui, Pierre Espérance fait, bon, je dis Pierre Espérance. Pour qui tu me finis sur Badjo, et s'il te plaît? Ok, d'accord, on allait. Badjo. Je ne suis pas là, Badjo, ni dans la semaine, dans le jour assassinat président, ni dans la semaine, ni dans le mois, ni dans les 12 dernières années passées avant. Comme on est capable de connecter à Badjo. OK? Donc, c'est le juge a mis dans la décision, dans le point qui fait le dit Léon Charles, et complice. Mais c'est de la méchanceté. Les gens veulent écraser l'enquête président. Moi, je remets des missions pour me cabaler. Au fur et à mesure, je parle avec moins d'émotion ou avec Suzanne. Mais le Dieu, monsieur, qu'un président assassiné dans plein de dernières séquences, et puis qu'on y a pour mon abdi, et on fait des supputations, abdi, que a évoqué et des questions au discours et président estimé, pour dire les bergers ont livré. Mais écoutez, pas d'enquête. Pas d'enquête, moi-même, ça m'a fait là. M'a fait bataille ça pour me laver non. Parce que je ne peux pas avoir rien pour moi, président. Sauf que moi, je suis directeur général. Pour PSPS. Le personnage PSPS, défenseur des droits de l'homme, de tout temps, mais c'est moi qui viole le plus de monde dans le pays. L'imposer en tant que juge, PSPS a un réseau de tous côtés. Première bataille, moi, fait avec PSPS, parce que je me rencontre tout le temps. Bien espéré qu'il y ait un réseau dans la police, dans tous les côtés, dans le commissariat. Si vous avez un incident passé, je vais vous reconnaître bien espéré qu'il y ait parce que la paix est policière dedans. Je vais faire bataille avec elle.
le jour l'homme vient arrêter colombien yo, avec l'aide de population bien entendu, je ne vais pas prendre crédit ça, je commence à faire opération hein, parce que objectif moi c'était pas quitter assassiner le président et assassin yo pour me gagner les mots pour faire enquête là. Le 7 juillet moi transféré les yo de CPJ, transféré les yo deux commissaires à Pétionville à et DCPJ. Premier monde, il y a eu le mieux dit, mais c'est pas la moune, il me dit, pas qu'il m'a eu comme ça. La frontière, la police a fait enquête, mon nous a vini, nous avons la situation qu'on a violé le droit, pour qu'on prédise à mourir, on a posé la question, pourquoi pas accès. Père Espérance, j'aime pas donner pour ça. Père Espérance participe dans plusieurs rencontres. Emmanuel Sanon et organisé. Pierre Espérance relève jour assassinat président pendant ma bonté. OK, Pierre Espérance Kounia l'a connecté tout ça. Oui, mais c'était pour dire qui ça l'a relève là. Pas répondre. Non, donc vous pas connaître qui ça l'a dire. Pas besoin de parler avec vous, ça l'a relève. Non mais est-ce que bon c'est non mais DG, est-ce que c'est pas au manquement bon côté tout le fait qu'on pas répondre, peut-être il était capable de dire sous pas au courant, t'as pas alerté au bout du que attention, la vie du président Jovenel Moïse est en danger et que pour presser le pas pour qu'arriver, est-ce que c'est pas ça tout que t'as pas dit ou? Non, pas est-ce que ça t'a fait suspendre pas attendre parce que le président qui n'a pas la veine, il est en danger. Oui, mais président, monsieur Charles, comment tu fais qu'on est déjà que le son suspect puisque c'est l'assassinat était en cours dans, en quelque sorte. Je ne vais pas faire enquête là pour le président, je ne vais pas faire enquête là pour le juge. Le juge a fait enquête, il a décidé, moi, Père Espérance, lavé, Léon Charles est inculpé. Je défends ça. Mais je dis, pour l'histoire, la vérité, Père Espérance a participé dans toute planification de production rapport que le fait sur la saline, mandat illégal que le juge ne le sait pas. Mais monsieur, il faut parler. Mm-hmm. Faut le dire ça. Pour qui sa société a pas fait dire on fait un peu sur le rapport là. Pour qui ça n'a pas évoqué dans l'ordonnance là. Ah, c'est juste à connaître. C'est juste à connaître. Est-ce qu'on te dit juge là ça? Moi, dans deux premiers, ça n'a pas soulevé, mais il y a des commentaires qui fait en dehors de l'enquête. Okay? Mais, je n'ai pas besoin de dire. Parce que Pierre Espérance, bon, pour qui ça Pierre Espérance depuis l'homme quitté? Pierre Espérance, Léon Charles parle à Badjo, Léon Charles prend Cob, Léon Charles fait ceci. Pour qui ça obsession ça? Soit violé, ou soit défenseur de droit monde. Même si je t'ai inculpé, même si je t'ai criminel, il a droit à tout. Ou bien droit, non seulement le faire devant le juge là, il fait tout un réseau. Qui a parlé de Léon Charles, qui a menti sur Léon Charles. Donc, Pierre Espérance de réputation, qui a menti sur le monde, nous songeait Michel Sonsano, qui fait 10 ans en prison, sur menti et en DDH. Donc, ça veut dire, il y a des personnages qui n'ont pas eu, ok, ils ont imposé, comme ils ont tout dossier, ils ont le droit pour détruire le monde, et puis personne ne va dire, parce qu'ils ont un circuit, tout côté, tout côté. Moi-même, m'a dit ça me connaît même Jean m'a pas menti sous lui et gagner mon capitaine de me connait qu'est-ce qui se passe donc juge là est-ce que l'a dit nous monsieur Charles est-ce que l'a dit nous que juge là t'es quitté l'influencé par d'autres personnes dans élaboration ordonnance là est-ce que c'est ça ou envie dit nous m'pas gagné pour moi, à questionner le travail du juge-là. Je parle de situation PAM. Le juge-là cité des mondes qui, selon lui-même, qui confirmaient que c'était un assassinat président. Moi, je dis non. Qui motivait son juge-là? Le temps pour le dire. Mais moi-même, je n'ai pas version PAM. Si on a l'autre enquête qu'on a faite, il faut qu'on a l'autre enquête faite, parce que le président de la justice. Et je dis là, je n'ai pas fait du coca-lane, mais je dis en tant que ami président. En tant que monde, moi j'ai responsabilité que j'étais là, chef de police, je n'ai pas reproché, je n'ai pas inculpé, je n'ai pas dit que c'est moi qui fais. Donc, vous êtes d'accord que vous jugez ou même sanctionnez
pour responsabilité en tant que chef de la police, mais ou pas complice, ni ou pas de connivence avec les assassins, les auteurs intellectuels, les auteurs intellectuels de l'assassinat. Ma résumé pour vous, son témoin. Ou pas sème de, témoin, accomplice, auteur, juge et commissaire gouvernement essaie de faire lui, mais les gouvernements comme auteur, ok? Mais, ou pas d'évidence, ou pas besoin d'évidence pour impliquer, soit pour enquête sérieuse, soit comparer contre une banque, côté monde qui finance l'assassinat président. Alors moi-même, Léon Charles, mon chef de police, mon prend corps, est-ce que vous vérifiez contre une banque? Vous pas besoin d'un pile, vous pas besoin d'un parce que vous n'avez pas besoin côté, est-ce que vous vérifiez appel téléphone? Pas de vérification. Mm-hmm. Une enquête est basée sur la présentation des faits. Où sont les faits? C'est ce que le président estime qui te dit, ou bien nous traite, c'est pour. Mm-hmm. Non, c'est ce discours. Qui j'en rapporte, bon, c'est vrai que c'est chef de la police ou en général, ou t'y en général, entre ou même et des CPJ. Il y a des gens qui font quoi que vous exercez des pressions sur des CPJ, que vous exigez des rapports au quotidien pour qu'on ait dans quel sens enquête là pour aller. Bueno. Bon, sur enquête là. Oui. Sur rapport de CPJ, rapport de CPJ d'abord. Oui, bon, c'est l'enquête là. Alors, enquête de CPJ, pardon. Et rapport de CPJ. Écoutez, le président mouri, il a assassiné le président, pardon. Et nous avons des obligations. Moi-même, qu'on est. En tant que responsable, pour me faire tout ce que je suis capable pour me quimber et assainir, pour mener une enquête le plus vite que possible et pour nous capables d'avoir les éléments, arrêter les gens qui sont capables parce que je ne connais pas prêter. Mais moi, fait 3 mois ou 2 mois et demi, dans 30 jours, 34 jours, nous faisons une enquête solide, 800 pages. Je n'ai pas jamais une enquête là. Pas jamais demandé des CPJ. Parce qu'on a tête là dans la tête. Moi, vive douleur, moi, vive difficulté de te pour nous mener en tête. Nous menons en tête ça. Sans nous, déplacement en province, à chercher le monde, DCPJ, c'est le directeur central de la police, c'est un collègue. Il est très proche de moi en tant que professionnel. C'est un non-professionnel, un technicien qui sont enquêteurs, des informations. Tout le monde est discret. Il y a de grands rapports, même respecter le travail. Mabzou, ma volonté information ça. DCPJ, son équipe correcte, gagnez-le avancé, m'a fait, il dit, non, déjà, pas aller là. Ok? M'a des accès à enquête là, gagnez-le. Père Espérance dit, m'a tiré, on part ici. M'a jamais enquête là, non? 800 pages là. M'a mandé là. Son enquête qui fait, son changé, nous gagnons collaboration et Interpol. FBI débarqué, la direction d'intelligence nationale de la Colombie débarqué. Nous avons 4 entités qui ont fait enquête là avec nous. C'est ça qui fait, dans moins de 30 jours, nous avons arrêté les gens. Okay? Nous avons un commissaire gouvernement très dynamique qui a travaillé tout. Nous avons arrêté tout le monde, sauf que nous avons été difficile. Donc, nous avons été à distance. Pendant ma instruction, et surtout, c'est côté qui a une difficulté. Si par un corps, vous faites déplacement en province, nous faisons plusieurs, on a cherché Mme Kok en province, dit caché. Et nous pas de jeunes, malheureusement, il y a l'autre monde. Donc, son enquête, nous menons avec son, avec professionnalisme, enquêteur, PAC, DCPJ. C'est des professionnels qui sont dans DCPJ, en pile respect pour eux. Mm-hmm. Donc, leur Pierre Espérance dit, comme vous tirez une enquête là, c'est parce que Pierre Espérance est rentré dedans. Il y a des policiers qui ont infiltré. L'ancien directeur général a dit dernièrement, le type, il veut contrôler tout le bagaille, la corrompre pour avoir accès. Mais, pas jamais, seule enquête que j'ai gagné, c'est résumé à 125 pages là, sans amis du gouvernement, m'a même demandé des CPG. Donc, pas gagné. Pas rien à faire de me retirer page, patate, patate, c'est fabrication puis espérance et puis la plaque dans le réseau. DG Charles, il y a un monde qui croit que c'est un petit peu
en légèreté, si vous déplacez en tant que directeur général de la police pour aller, pour déplacer, pour rendre un petit bois, pour aller rencontrer un monde sans un motif réel pour son sujet si sérieux, qui c'est une promesse, quand on parle de promesse pour un ministre ou un premier ministre, alors qu'on est déjà un directeur général et pas gagné de sérieux qui fait en termes de suivi réel à la situation de Tibois, M. Charles. Non, mais, qui ça me dit, M. Rélim, ou bien, on va dire que mon tal que le président. Mais il y a quelqu'un qui a dit que il y a des bagages qui ont été faits, le président, tu es capable de pas assassiner. Alors que Tibois a fait le 7 février, où tu es déjà directeur général, 6-7 juillet, où toujours directeur général, on fait observateur capable de dire que, mais qu'est-ce qui a été fait pour empêcher l'assassinat du président? C'est question ça, on a posé aujourd'hui, là, M. Charles. Oui, on a fait spéculation, mais bon, ça me fait. Je pas arrêté, je n'ai pas rencontré les gens qui m'ont fait un coup d'état fait, je participé. Non, je suis le président, mais il faut une instance internationale qui a dit qu'il était là-dedans. Et puis, finalement, l'opération a été faite, je participé dans l'opération pour arrêter Mounio Tibois. Ok? Mounio a l'air briso, il y a l'autre offensive qui a fait pour le laguer. La police a continué de travailler. Sauf que ont changé de stratégie. Ils corrompent l'unité de sécurité du président. Ok, M. Charles, est-ce que selon vous-même, il y a des gens qui n'ont ordonnance là, pas ta doué là-dedans, et des gens qui pourtant ont ordonnance là, qui parlent là-dedans? Bon, moi-même, je parle de. Et son on bat des enquêtes. C'est des interrogatoires qui fait pendant 20 mois. Et m'estime n'est capable de passer à côté ou de pour confirmer ça. Il faut qu'on ait des preuves, il faut qu'on ait des faits. On n'est pas capable de soubattre Joe Pierre Espérance et Wabdi m'a impliqué. Non. Et pas de fait, pas de analyse approfondie, enquête approfondie qui fait, ni niveau d'importance. Pour y ait bail et enquête là, enquête là où je me suis et travail juge là, il n'est pas arrivé dans le niveau pour arriver là, donc mon côté moment cassé, ça concerne moi-même, on juge traité de voler, de crime, pour me défendre non, parce que moi, Léon Charles, c'est Léon pour moi, Charles là, c'est pour Timounio, pour moi-même. Donc, moi, retiré comme dans le gouvernement, parce que je me suis dit, je ne suis pas à l'aise. Les gens qui ont vu l'ambassadeur, ils ont fait me sortir, ils ont fait paraître comme un criminel. Tout le côté, Léon Charles, l'ambassadeur après lui, je ne dis pas qu'après ça. Qui réaction? Ça veut dire, je ne vais pas parler de l'autre monde. Tout le monde, je vais parler peut-être, mais je vais parler tout pour enquête président. Finalement, faisons-le. Qui réaction ministre ou ministre supérieur ou qui réaction premier ministre là après au final apprendre qu'on démissionné? Non, et premier bagage me fait mon cher, c'est 35 ans me fait dans l'état. OK, j'en dis là et Gatkot et la police et diplomatie, donc c'est police, l'armée, diplomatie. Donc carrière 35 ans. Depuis me arrivé dans le de retraite. Mais c'est bien malheureux, c'est quand ça m'a sorti. Je voulais être correct. Je démissionné en tant que représentant permanent à l'OEA, mais je demeure un ambassadeur. Et puis devant, je vais prendre retraite. Ce que j'ai fait, avant que je me rende public, j'ai écrit à mon ministre. Je vais un texte pour lui. Je vais la veille, je dis ministre, la situation, mais ça a privé parce que je demeure en subalterne de ministre. Sa réaction. Ministre Mekwil, je vois l'être là-bas. Il dit, je ne suis pas la BM. Et je ne suis pas venu là pour dénoncer personne. Je viens là pour défendre un homme. Et par ricochet, défendre
et faire promotion pour le président de la justice. C'est ça qu'il fait là. Ok. Même pas venir casser, accuser personne, parce que ça qui a sorti, il a sorti quand même. Mais il faut le président de la justice. Je vous pose une question encore. Qui ça, mon audio, le PM à qui vous avez parlé, aussi le ministre des Affaires étrangères, qui ça, audio, l'a annoncé au quoi pour tirer corps du gouvernement pour capable. Mettre disponible pour la justice et même défendre tête ou défendre non, ça vous dit? Non, mais. Je ne vais pas révéler la conversation que j'ai avec le ministre PM. Okay? Mais le fait que là, je suis sorti sans fracas. Je vais faire fracas puis devant parce que c'est un dossier. Mais moi fais conduite régulière. Je ne parle pas à la ministre, je ne parle pas à la PM. Non? Et là, je ne suis plus. Et représentant permanent d'Haïti, qu'on y a moins, bien entendu, qu'on peut me supposer faire, avec conseiller, avocat, n'attend que ordonnance à signifier, et ben nous, pour nous faire ce que de droit, et faire appel, river jusqu'à ce que côté pour le river. Et Léon Charles continue à battre pour le défendre, et l'autre phase que l'enquête président va prendre, n'a pas là pour nous faire, sauf que, je dois le dire, je ne me sens pas en sécurité. Parce que moi, j'étais venu 5 fois déjà. Malgré mon dîme, il n'y a pas de retour, l'intention n'est pas me dire que le président a assassiné sur moi. Si Léon Charles pas descend dans le palais, je n'ai pas d'enquête. Je descends 5 fois. Mais dans le dernier moment, je vois que je me sens mal à l'aise parce que c'est droit, même si Pierre Espérance n'est pas d'accord ça. Moi, j'ai le droit pour me défendre tête, même si je suis criminel. Ok? Pas que ça du tout. Je suis innocent. Blanc comme neige, la question ça. Sauf, les faits sous moi, ma baisse. Ils ont témoin important. On pas dit, le témoin numéro 1. Il y a une information, même pas dit ça là. Il n'y a pas mon opportunité pour me dire. Il y a tant de ragots qui ont dit. L'autre n'est pas remis Léon Charles. Parce que nous sommes personnels controversés. Vous voulez controverser, il y a l'équipe à même. Je vais vous montrer pour ça. Vous êtes directeur général en 2004-2005. Vous savez qui ça me fait? Je ne vais pas négocier à Bansi. Ok? Je ne vais pas négocier. On Bansi, on dit, oh la loi, je travaille avant. Ça ne va pas violer les droits, bien entendu. Ok? Le monopole de la violence, c'est justice. Je fais. Dans 509, je tourne là, c'est même pas elle me fait. Je ne vais pas négocier à Bansi. Et puis, je dis, Bansi, c'est Bansi. Je ne vais pas négocier à ça. Parce que la prête. Et c'est ça qui mettait dans la situation. Le nègre a monté à jouer guitare avec Bandi pour apaiser. Bandi a vu une peu confiance. Et puis il fait école. Et c'est ça qui mène là. C'est conviction. Pam. En 2004-2005, j'avais les bandits en face de moi. En face de la police nationale. Avec tout respect mien pour la police qui me travaille avec eux. Mais où il y a certains bandits qui ont filtré la police avec manipulation politique. Et ça qui mettait dans sa ligne là. C'est ce que j'ai dit. Donc, voilà. OK. Maintenant, après le président fin assassiné, il y a un paquet de paroles en pile qui t'a circulé. Dans quel niveau nous avons considéré paroles ou allégations comme des spéculations non fondées? Par exemple, il y a des gens qui ont allongé de l'ouette sous international, faisant croire que c'est eux qui ont assassinat président. En tant que chef de la police d'alors, vous pensez que international, puisque vous avez une information coupable là, mais on va bientôt, est-ce que nous avons arrêté quoi que. Assassinat président, t'as sorti l'autre bord frontière, l'autre bord de l'eau. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce parce que l'enquête l'a faite à deux niveaux, à plusieurs niveaux. Bon, international là, a fait les États-Unis, FBI, et une enquête qui est très avancée. Et je ne vais pas le faire. Je suis obligé de répondre à la question de ça. Hein. Très bien, ok. Non, on ne doit pas répondre. On ne doit pas répondre. Qui ça a pensé tout le fait que une équipe monde américain vient prendre ici là avec yo et puis une équipe qui était ici et tout ce monde que nous avons cité dans l'assassinat. Bon, bien entendu,
Et le crime en fait en Haïti, et c'est Haïtien qui se voit, moi-même selon l'information que j'ai, capable de l'autre élément, mais il y a des éléments qui ou connaît, bon, ça me connaît quatre jours. Des fois, et des monde qui travaille à l'international, là, même si au pas travail utilisé et passé au monsieur informateur, et puis là, ça convient nous-mêmes, nous avons une appréciation pour blanc, sur quelque soit correct, puis qu'on a des minéraux, c'est mon petit, c'est mon bain là, et puis tendance, c'est ça, il fait partie de l'habitude qu'il y a en Haïti. Mais, et des fois, il exagère, c'est ça qu'il fait, et ça non, c'est le département d'État qui voit elle. C'est ça, on te dit tout, on dit, on va le premier ministre, parce qu'Américain, même. Vous comprenez? Des débats, on a assumé, et puis qu'on y a. Et il y a des gens qui viennent prendre un joueur de la vie. Ça, il contribue à assassiner le président, même pas pour dire c'est l'international. C'est ça. Mais toujours à la lumière de ce qu'on a comme information, de ça disposer comme information, on se dit là que c'est les Haïtiens. Dans quel secteur? Secteur politique, secteur commerce, secteur des affaires, pour parler de cerveau assassinat. Écoutez. Et moi, Mabdil et le public, nous avons fait conclusion. Le président Jovenel, depuis le monté pouvoir, pendant le restant, il n'a pas quitté le dirigé. Okay? Nous connaissons tout le monde. Ils ont assassiné le président, le caractère du président, avant même de l'assassiner physiquement. Donc, on a tout ce qu'il fait. Ils ont créé une ambiance pour rendre le président incapable pour le travail. Alors que le président, c'est Zamim qui a dit ça. Je parle à la présidente chaque jour, plusieurs fois par jour. La présidente, son équipe de travail, lutter contre la corruption. Et puis, le système est tellement fort, il brûle jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Moi-même, je suis dans le système, je suis à force à la conclusion, même pas une enquête là. C'est des bails que je me connais. Je ne vais pas dire là, mais devant, si je n'ai pas l'opportunité pour me jeûner, pour me sentir en sécurité, pour me dire. Parce que je dis, là, on descend dans le bas, on est écoute, il y a extradé. Je fais pas là pour m'aider, président de la justice. Je peux laver non. Mais ça n'est pas possible, monsieur. De qui sont les victimes là ou même? De qui sont les victimes? Bon, victime que Negio, 35 ans de carrière. Non. Est-ce que vous victimes, puisque d'après ce dit là, ils ont accusé injustement. Yo calomnie ou. Est-ce que vous admettez que vous êtes victime de quoi que ce soit, d'irresponsabilité ou bien d'inconséquence ou de qui ça vous victime ou sentez-vous victime ou même ou bien de monde qui seulement par un mot. Là et moi victime de décision juge là. OK. Sur la responsabilité pénale de l'exécuteur général de la police. Juge là. Voyez-moi à le juger sans assistance de juge. Non, Léon Charles, ça a prêté dans le dôme tout le temps. OK? Mais justement, ça a le casser. Moi, victime de ça. Moi, victime d'une enquête qui n'est pas faite. D'une enquête qui. Pas d'enquête. Un dossier qui n'est pas fini. Un dossier qui n'est pas un niveau de professionnalisme. Un dossier où l'auteur qui a été balayé à son président assassiné. Non, pas qu'à quitter l'image là, rester comme ça. Bon, ben, je dis là. L'assassinat président, ça a tellement un bon impact sur la société. Le secrétaire général de l'OEA l'a dit. Haïti ne jouira pas de paix et de stabilité tout autant que justice ne soit pas accordée au président de la République et à sa famille et au pays. Le bon, ben, qui se donne là, nous fait complot. Nous fait complot. OK? Nous bloquons le président fonctionner. Il perd du 4 ans et demi. Qu'on y a qui s'allier. Ou jouer une baille à la vie pire. Moun ne peut pas fonctionner. Parce que l'école, tout droit moun voler, violer. Haïti, c'est l'endroit, c'est le territoire où les droits humains sont violés systématiquement. On parlait de insécurité. On parlait de peur pour sécurité. Léon Charles, moun qui diront ça que de pour descendre en Haïti, la nègre a marré où. Mais ou démissionner, c'est-à-dire qu'on pas lié encore avec le gouvernement.
mais on était ambassadeur, si vous me prenez parole. Est-ce que ça veut dire que pour ça, s'il y a une décision pour t'apprendre, si tu as un procès qui fait contre ou, est-ce que c'est par contre une masse qui a pour juger parce que au pape descend pas de prince, au pape vient juger, est-ce que nous sommes capables de déduire ça? C'est pas ça, M. Wendel. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Les funérailles du président ont été chantées, réalisées au Cap Haïtien. Deux Cap Haïtien, tu as une information que nous prenons un risque. Je ne suis pas capable de funérailles du président. Effectivement, je rentre dans une barricade, coup de zame qui me sortit. Mais j'ai été moins bien menacé. Pierre Espérance te dit Léon Charles, ne le pas dire Léon Charles, Léon Charles, et fait, il fait tout, monsieur, bon, bah, dit ça. Il y a une équipe en sécurité, parce que dans la première convocation, il y a convoqué M. Mabdesson, il y a convoqué M. Bar, dans le parquet. Côté Isopra, moi dis me praler. Je descends et puis elle a changé pour monter frère. Moi aller. Je connais des menaces. Je vais être pour sécurité. Pour me faire. Moi tourne encore. Si tu as gagné suffisamment d'évidence, tu as quimbé. Je suis prêt, je suis coupable, je suis en évidence. Je suis allé en prison parce que j'ai une évidence qui dit. Parce qu'on est en Haïti. Les gars font complot, ils disent, faut que Léon Charles aille dans la prison, parce qu'il te mette dans la prison. Écoutez, pour si vous avez une justice qui a fait, pour y a ça qui a passé, monsieur, m'a lié, m'a gagné un privilège aux fonctionnaires, il y a une façon pour y prendre. Ok? Si les États-Unis disent, m'a gagné un problème, écoutez, m'a dit, m'a venu. Ça va dépendre de moi, parce que, écoutez, monsieur citoyen haïtien, m'a capable entre-temps, m'a été pris l'autre précaution. Mais tôt ou tard, enquête l'a fait et Léon Chalap là. Mais ça fait là, il y a un film, il n'y a pas enquête. Parce que l'accusation que vous faites contre moi, il n'y a pas qu'un B. C'est Badjo qui dit. Okay? C'est Pierre Espérance qui dit. Pierre Espérance n'a pas jamais hésité à parler mal de Léon Chalap comme ça, monsieur Alain Avem. Parce que je me dénonce, il m'a dit ça là. Parce que mon obsession Pierre Espérance, n'est là, n'a comme pour qui ça. Pierre Espérance toujours a dit, ah, Léon, pourquoi tu ne vas pas arrêter le barbecue? Je dis, Pierre, pas fait mal comme ça. Je dis, même président n'a pas dit m'arrêter. Ou dit, pourquoi tu ne vas pas dire m'arrêter, c'est la pli. Alors, notre stratégie, je m'a fait battre à 509 là, et me fait battre à 509 là. Okay? Et puis, quand je rentre dans la gang, je rentre dans la fièvre de la gang pour être mal à l'aise, pour me sortir, pour me prendre. C'est ça que je fais. Je me dérange un peu le monde qui m'a fait ça. Donc, je comprends, de 2004-2005, à Kounier, Léon Charles sont combattants liés. Le fait que je ne suis pas négocié, je ne suis pas d'accord pour ne pas gang cob. OK? Pour calmer, c'est apaisement lié. Il n'y a pas bon gang, ne pas changer. OK? Donc, moi-même, position pam, dans 35 ans que je suis dans le pays. OK? Je vais mettre en bas l'accusation sur le domaine international, là, ouais, Léon Charles et son criminel. Nous, si reste là, si reste qui était là, il y a 57 ans pour nous. Si reste qui était là, c'est pour défendre Charles. On a fait semblant à Léon, c'est pour défendre Charles. Mais si reste qui était là, c'est pour contribuer à ce que le président donne justice. Mm-hmm. Parce que le président fait confiance. Donc c'est ça, je vous dis. Ok, je vais deux points d'après moi avec vous. Oui, pour nous finir. Et okay. Pour nous finir, parce que je admets que je prends en pile dans le temps. Monsieur Charles, bon, c'est ça. Pas un job, donc disponible, c'est ça que je vais faire. Oh, ok, maintenant, où dis-nous qu'on va rentrer pour une autre enquête. Où dis-nous qu'on va rentrer pour une autre enquête. Non, mais. Parce que ça n'a pas enquête, ça n'a pas enquête. Non, écoutez, premièrement, si je me menace sous moi, même si je ne pas menace, mais. Ça, je vous l'ai dit, c'est une menace. Alors, ça me devait dire, quand je vais arriver avec vous, c'est que pendant que je n'ai pas eu d'enquête, je me suis entendu une voix que Badjo a fait sortir
même tenté démanteler, si vous voulez, rapport de CPJ en tout. Il dit que ça, c'est pas rapport, ça, c'est pas enquête, ça, c'est on bouille vide. Bon, c'est pas exactement ça. Il dit, bon, c'est parole PAM. Bon, je dis en tout, et M. Charles, vous voyez jeter d'un revers de main en ordonnance là. Moi, c'est comme si M. Dadiou, tant que M. Goug te dit, la vérité est au fond du puits, la difficile pour moi de connaître. Et je dis à tout le monde qui nous a cité dans le rapport, à part le monde qui est aux États-Unis, qui déclarait, qui reconnaît qu'il est coupable, mais en Haïti, tout le monde nous a cité dans le document rejeté. Bon, et procédure là, c'est allié. Si vous mettez, vous accusez ou non, vous accusez sur côté sous, et la loi dit qui ça vous fait appel, ok, vous faites appel. Et ou ka monter plus haut et puis mes sociétés à lui-même Léon Charles m'a défendu m'a mes sociétés à folle dit folle jeune justice qui ça justice vous même enquête là si enquête là pas dit Léon Charles m'a impliqué mon cher mais qui appelle vous défait comme ça ou gain sous comptoir mais qu'est-ce qui te ba ou OK mais qui rencontre de fait mais audio mais Wendel m'a dit un bagage ouais j'enquête là sorti là si ou même en tant que journaliste, ou tu es dans une zone où tu as fait une entrevue, on me dit, ah, tu es un de lui, ou tu es là. Il y a un niveau de légèreté qui ne pas correspondre à majestuosité, ou du moins ampleur, grandeur, pour que tu aies pas en tête là, parce que c'est un président qui a assassiné. Donc, Fabien, c'est ça, il y a un peu de légèreté là-dedans. Mais dernier point. Ok, bon, nous comprenons ça. Ou répondre à un dernier point qu'on est là. Pendant côté directeur de la police, un groupe de policiers qui mourit, c'est en mars 2021. Il y a qui ont dit qu'on n'est pas fait pour les policiers. Je dis là, Haïti vient dégénérer net, bagaille vient pi mal. En 2024, bandits qui contrôlent plus fort territoire qui dans pays qui dans département l'ouest là dans région métropolitaine là mon obligé contrôler déplacement bandits a défier s'il vous plaît autorité yo jodi yo sous tes directeur général la police qui sont à fait. Deuxièmement, est-ce qu'on croit dans l'annonce qui fait que pour gagner des Kenyans qui viennent écouter bon côté la police là, est-ce qu'on croit dans ça? Deux aspects. Bon. Et au 12 mars, m'a dit dans mémoire, enfin, respecter mémoire et monde qui perdu policier. Mais 12 mars, c'est fait. 12 mars c'est 5e opération. Nous avons mené dans le village de Dieu. Même Jean nous fait plusieurs opérations. Après, nous faisons bataille 509 là. Okay? Nous faisons bataille 509 là, il y a un policier qui est arrêté. Il y a un policier. Bien que, nous n'avons pas compris côté policier ça. Est-ce que vous retournez la police là? Est-ce qu'il y a fait affaire par eux? Même si c'est certain, il y a pas en prison. Okay? 12 mars, c'est la 5e opération. Moi, je fais la Tibonite. C'est dans le cadre du mouvement qui a fait pour déloger Bandi. C'était stratégie. Mais c'était sans compter avec des fuites qui gagnent dans l'opération. C'est un problème de nous faire nos volontés. 12 mars, je vais mettre en mise en contexte. Moi, lancé 12 mars, c'est après que M. Fin assassiné, un docteur soit venu Christophe là. Vous songez ça. Okay? Moi lancé et 12 mars après que ISO 5 secondes, nous sommes super là pour être de blague. 5 secondes, il y a fêté 3e anniversaire. Okay? Moi lancé une opération après que ISO 5 secondes attaqué EDH qui sous bicentenaire. Moi dit, je ne pas quitter ISO pour toute extension. Mais c'était une infiltration. Ok? Il y a des gens qui ont arrêté. Faut enquête là. Le Mali, il est tombé. Mais 12 mars,
12 masses multipliées par X ou par N, ça fait 2 ans et demi. Nous perdons le contrôle du pays. Moi-même, je n'ai pas quitté le faire parce que j'ai un aspect politique. Si j'aime quitter la police là, et le fameux et avocat du peuple, Maître de Michel, il dit 5 à 0, l'homme fait quoi? Il premier vide, je prends Léon Chol. Bon, Maître de Michel fait 6 à 0, pour dire, je ne parle pas cela. Mais c'est ça qui passe à payer. Oui, mais son allié pouvoir à tout, il ne faut pas oublier ça tout, hein? C'est un allié du pouvoir, il ne faut pas oublier ça. Écoutez, quel que soit le pouvoir, moi-même, je ne vais pas pouvoir encore. Si je me sens, vous posez une question, Mais sauf que je me dis comme ça que. Sauf que je me dis que dans le moment où tu es sous pouvoir, tu ne pas dénoncer lui. Non, écoutez, comme d'avait donné, c'est le directeur général et mon décision politique. Je ne parle pas de la situation politique, ok? Directeur général. Mais non, 5 à 0, 6 à 0. Sous question 5 à 0, 6 à 0. Vous ne pouvez pas dénoncer le moment. Mais nous avons avancé, oui, là, parce que, parce qu'on deuxième aspect, question, nous avons pris qu'on répond pour moi. Oui, mais beaucoup répondent et. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Qui sont à faire aujourd'hui si sous des chefs de la police par rapport à pays qui a encerclé, enclavé, que bandit prend contrôle presque tout pays, qui sont à faire aujourd'hui? Moi, je m'en fais ça, m'habitue à faire. Je m'en demande plus moyen, moi, j'ai plus moyen que rien. La police n'a pas de capacité après un petit nettoyage que vous faites. Il y a qui dans la police, je me dis, non, tout, il y a qui critique pour ça. Dans la police, Léon Charles, depuis 2010, aider, former, mais question de défense et sécurité, plus d'une soixantaine de cadres du ministère des Affaires étrangères, de la police et du ministère de la Justice. Ah! Parce que le plus gros problème de la police, c'est-à-dire, dans le pilage formé, ou cadre intermédiaire ou manqué formé, l'un est arrivé inspecteur divisionnaire, ok? Bon, formation de bagarre. Le inspecteur divisionnaire, ou cas dirigeant département, ou cas directeur général, au niveau de management pour gagner, la question de leadership, la question d'administration pour capable faire, ou pas à niveau tactique seulement, ou à niveau stratégique. C'est pire le problème que nous avons. Des fois, en tant que directeur général, à 2 reprises, m'oblige de descendre au niveau tactique. Là, ça m'a un backup opérationnel, là, m'a un backup stratégique, là. Et là, ça m'a exposé. Mais m'oblige de faire parce que je me réponds. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui forment dans la police. Là. Il y a boumé entre eux, tout le directeur général. C'est mon critique, non, c'est un fait, mais victime de lui. J'ai aidé. Oui, mais ce qu'on va faire abus tout, même dans la sanction, dans la décision, par rapport à monde qui peut-être aspiré à un directeur général tout. Non, pas jamais. Mais comment dit-il? Si vous dites, qui ça m'a fait pour bailler changer? Il y a un problème de commandement. Directeur général, ça, qui l'a, même j'ai moi-même là. Pas gagné le café, c'est pas une unité de commandement. OK, pas rien qu'à faire parce que chaque nèg a fait pas yo, on pas dit c'est le camba là, mais il fait tout moins. OK, faut me dénoncer parce que tout nèg moi fait partie d'une association des anciens gradués du collège interaméricain de défense qui a une formation au niveau stratégique. Premier nèg que moi côté c'est moi même. Juste un moment DG avant d'aborder la question kenyan. Est-ce que ça veut dire que si tu as une cohésion au niveau du haut état-major, tu as une meilleure réaction par rapport et qui t'a peut-être empêché que le président assassiné? Non, l'état-major n'a pas assassiné le président. Assassiné le président, c'est aussi la sécurité qui est proche de toi. Ok, très bien. Je vais vous parler de ça. L'état-major, il n'y a pas de la donne. Il n'y a pas de la donne. Et ouais, pareil, non, cité. Je cite parce que j'étais directeur général. Mais pour me dire ça, pour ne pas être trop critique envers la police, là, la police est capable et aucune ressource. Nous besoin bonne cohésion, mais une cohésion pas parfaite. Il y a des moments seul, ok. Il y a des moments seul. Même comme ça, on est capable de dégager. Fait... Si on était là, si on était continué, mais bon, garanti. L'homme qui était menti ça, ok. Menti ça pour toute extension ça. On va accuser le directeur général. Par contre, ça la ville. Mais monsieur, pas possible pour Bandio, des meilleurs plans stratégiques que nous-mêmes. Ils ont encerclé, ils ont même cadenassé la capitale. Mes amis, nous qui disons en fait, société à victime, nous ne pouvons pas marcher,
les droits humains à violer chaque jour, l'éducation, l'école, tout ça. Mais nous, en tant que société internationale, nous sommes fatigués de nous, nous en tant qu'ambassadeurs. Ok, maintenant, en pile haïtien, il y a les yeux rivés sur le Kenya, pensant que la solution n'est pas loin, si jamais le déploiement est fait dans les prochaines semaines. Est-ce que vous avez une dans ça, qui opinion par rapport à cette décision de... qui, en fait, qui prévoit un appui de la police nationale par les forces kenyanes. Bon, et moi, en tant que diplomate, j'ai défendu la position du gouvernement et pour m'en débarquer. Mes positions, pas en tant que monde qui a 35 ans souterrain, nous, moi, des internationales, là, nous vivons internationales, là, trop. Orgueil national, nous, faut nous demander trop. Okay? Nous, qu'à faire, et moi-même, nous avons des ressources pour faire. Nous gagnons, mettez l'ordre dans la police, bah, la police a moyen, commencez à gagner des moyens. Nous avons l'armée. Et pas mon qui a dit non, nous pas qu'à gagner l'armée. Okay? Parce que l'armée portée sur les fonds baptistes pour cette nation. Okay? C'est l'armée qui fait premier effet. C'est que nous, embargo, tout malheur qui arrive nous. Mais Kounia, nous descendons trop bas. Nous descendons trop bas. Bonne question. Non, mais devant l'international, avez-vous au moins une fois défendu l'existence de l'armée? Yes. Moi, j'ai décrété, vous permettez, bonne opportunité ça, en 2015, le livre blanc de défense pour la, et de sécurité pour, la, et pour le développement économique du pays. Son livre blanc, qui est l'armée, c'est bon, l'armée d'infanterie, ou après résoudre ces problèmes de sécurité avec ZAM, on a mes professionnels qui versaient et orientaient vers la question de développement des désastres naturels. Nous avons besoin de Wim Defani. OK. Bon livre qui créait, et le livre blanc de défense et de sécurité pour la... Il existait, nous avons eu pour vous, pour faire une belle contribution là, mais je ne vais pas mettre dans l'application. Oui, là, ça, c'était sous le nerf Renault. Oui, sous l'administration, président... Et oui, le neuro comme ça fait très bien, ministre de la Défense. Bon document qui a des réflexions faites, et pas réflexions par moi seulement, non? Mettre aussi en février, tout l'autre monde qui verse dans la question ça. Grand pile document qui préparé pour question de l'armée, non pas qu'à. Oui, mais même, tu t'en dis tout que il y a des équipements qui sont commandés, internationalement, en fait. Un pays de l'international dit que non, c'est pour la police, pour. Équipement ça y aller, c'est pas pour l'armée. L'armée a commandé, il y a pas l'armée là, moi la police me besoin d'armes, pas de gain d'armes, bien d'armes bref, il y a la police, pas contre vous mettre l'armée ou bien la police. Mais c'est pas moi-même, OK, décision mais faut que l'armée a fait, c'est vrai, c'est un brillant qu'on gagne, mais nous besoin, il y a un problème qui me dit que nous avons résolu. Écoutez, nous avons une police qui a boumé contre gang, qui réaction rapide, la police n'a pas gagné et formation pour lui alquimbé en espace pendant 2-3 jours. C'est travail l'armée. Okay? Moi-même, d'abaisser avec un brio l'armée, l'homme, exactement, village de Dieu, l'homme en 100 jours. L'homme rentre dans l'espace là, mon départ, tout le monde a parlé. Ils ont été courus. Dans la première opération qu'on fait. Mais si, je fais les occurs, il faut que je me casse l'espace là. Je me casse l'espace, l'homme s'en joue, badji, gagne. Mais je suis obligé de déplacer, je ne suis pas formé pour ça, je n'ai pas de moyens pour ça. Nous avons commencé à faire pour dire l'armée, la police a fait l'opération, bon. L'armée qui est belle. C'est son besoin qu'on a. Une cohésion entre deux forces, bien entendu, avec bon système d'intelligence, avec la population. Il n'y a pas de démocratie là-dedans. Pourquoi pas qu'on négocie là-dedans? On a fini, M. Charles. Ou quoi que le président Jovenel Moïse a besoin de justice? Oui, le président Jovenel a besoin de justice, mais pas avec ordonnance, ça, parce que le crash, déjà, on a assassiné pour deuxième fois, et avec cette ordonnance, et le président de la République, avec tout le corps de gagnant, mais non, l'autre niveau, le président a besoin de justice. Parce que ça, même s'il passe, c'est qu'on y est, mais à long terme,
Puis devant, si la bataille continue, le président a besoin de justice. Il faut le besoin de justice, il n'y a pas qu'à arrêter comme ça, parce que le pays n'a pas besoin de changer si le président et je ne veux pas de justice. Merci. À propos de ISO, est-ce que c'est vrai, après l'attaque qui t'est faite là, où tu as volé l'argent par ISO pour être capable de Bachar? La Kounia, et enquête là définie, je ne vais pas prêter dans ce sens. N'est-ce qu'il faut aider à ça à vous? Bon, vous connaissez votre dos là, puis devant, il a dit qu'il a été fait. OK? Il a dit qu'il a été fait. Merci beaucoup, M. Charles, Léon Charles. Je m'a rappelé aussi ancien directeur général police nationale et ancien ambassadeur, ancien représentant d'Haïti, représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. On remet démission hier parce que non cité dans l'ordonnance juge Walter ou Sir Walter, qui ont accusé de passivité dans le moment président a appelé à l'aide. Donc ce que vous rejeté ou dit, mais ça a été fait dans le moment où cité non. M. Parizon, commandant Parizon, qui lui-même était fait tentative, dit que bon. Ça dit, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire que tu as un petit problème au niveau de ça mentionné. Parce que juge l'a cité Vladimir Parizon, côté que dit que le commandant Parizon t'a rejeté l'ordre du côté de l'élan. Monsieur font tentative pour le confirmer par loi, mais ça va te passer. Ou te dit non, pas de vle, ça fait ma belle Parizon, possibilité pour contre lui. Bon. Quittez-moi merci au le fait qu'on fait nous confiance au niveau de Métropole, où tu as accepté de parler avec nous aujourd'hui. Nous apprécions ça et vraiment et sincèrement nous remercions Léon Charles. Comme dit Wendel, au dernier mot, je m'excuse et mon capitaine de mieux, si je me un peu d'émotion, je m'excuse parce que je m'apprends frappe frappe depuis quelques temps, c'est la première fois bonne opportunité pour me parler. Ma frange pour me calmer plus la prochaine fois. Mes excuses, justice. Léon Charles Plavenol et président Jovenel Abdel Justice. Merci. Merci encore une fois. On rappelait que l'émission ça, est disponible sur YouTube, sur Facebook, et puis il y a plusieurs médias à l'étranger qui te retransmettent. Il y a un réseau La Tibonite qui te retransmet, il y a une radio tête à tête, il y a radio télé Jacques Mélinter qui te permettent que mon dans le sud-est suive l'émission ça. Et également mon dans la diaspora. Merci, madame, monsieur, d'avoir prêté attention à Radio et Télémétropole. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.